Fait aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour faire l'hôtesse de. Ben, tu faisais glace? Ben, le vrai nom, c'est l'effet Mumball. C'est, je pense que c'est celui qui a découvert ça, il s'appelait Mumball. Fait que ça prend deux conditions. Il faut qu'il fasse fret. Le matin, il faisait moins 38. Puis ça prend de l'eau bouillante. Fait que ça, c'est pas trop compliqué. Effectivement. On a eu. Les premiers qu'on a fait, on avait un chaudron. Puis l'ouverture avait à peu près 6 pouces d'ouverture. Ben, moins 38. Trop vite pour le premier coup, fait qu'elle se rendait pas plus loin. Après ça, on avait cette bouteille-là, qui elle, l'ouverture à peu près 2 pouces. Puis je crois que c'est celle-là qui a fait le plus beau résultat jusqu'à date. Ça sortait vraiment égal partout jusqu'en haut. Puis après ça, on l'avait fait aussi avec celle-là. Celle-là, le trou d'ouverture à peu près 1 pouce. Puis ça sortait pas assez vite ni assez. Fait que finalement, on se finissait en arrière puis il en restait encore plein dedans. Fait qu'elle ne se vidait pas au complet. Là, en plus, on avait un bouchon là, un bouchon là, fait que ça faisait des... ça faisait pas très bien. Moi, je pense que ça va être magnifique. Viens, viens! Yes! Oui! Trop tard. Allez, c'est fait. On va brûler. Enfin. On a fait plusieurs tests. On a manqué une coupe au début. Puis quand on a trouvé notre bon format de bouteille, ben, on a fait des super beaux. Là. On a vraiment bien réussi là, avec le soleil et tout. Là. Mm-hmm. Si jamais vous voulez voir d'autres aventures, juste à vous abonner à notre chaîne. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore. C'est pas fini.